thé? Eh ben moi, je valide tout ce qu'ont dit Damien et Valérie. On constate que ce soit pour des postes en alternance ou des postes en CDI, CDD, ce besoin France entière, voilà, de recruter des développeurs. Après, ce qu'on constate, nous, à notre niveau, c'est que bah, les entreprises sont assez exigeantes. Et comme il y a énormément d'étudiants qui se forment à ce métier-là, il ne faut pas hésiter à pousser la formation. Pour avoir un niveau technique, on va dire, supérieur à la majorité des étudiants en recherche d'un poste, pour pouvoir se démarquer et voilà, sur ces premières années où on débute dans le métier, ne pas avoir de difficultés à décrocher un poste. Mais c'est un D'accord. métier, voilà, qui recrute partout. Il y a beaucoup de besoins, mais beaucoup d'exigences des entreprises. Très bien. Et vous disiez justement que c'était les 2 premières années les plus difficiles et aussi en termes de formation. Du coup, pour venir un petit peu sur les soft skills demandés pour ce métier, est-ce que vous pourriez peut-être revenir un peu sur ces soft skills et ou déjà qu'est-ce qu'un soft skills et comment peut-être quel soft skills il faut apporter en fait pour devenir développeur? Peut-être Allez, je d'abord les démarre. formations et ensuite Damien. Ouais. Grosso modo, on a les savoir-faire, donc les compétences techniques. Je sais développer en tel ou tel langage. Et donc, on a les qualités, les compétences relationnelles, ce qu'on appelle les soft skills. De mon point de vue, pour être un bon développeur, il faut en avoir quelques-unes d'assez importantes. Déjà, moi, je trouve qu'il faut savoir être créatif. Un développeur, bien sûr, hein, c'est pas un graphiste, hein, il n'est pas là pour créer un logo, une image ou une vidéo, mais il crée du code. Et à partir de ce code, bah, vient se créer bah, notamment un site web. Donc c'est important de comprendre qu'il faut avoir une certaine créativité. Après, c'est un métier où on a besoin d'apprendre toute sa vie, puisque les technos évoluent, des nouveaux frameworks, des nouvelles API sortent régulièrement. Et du coup, et bah, il ne faut pas hésiter. Il faut avoir envie d'apprendre, il faut être curieux, donc cette curiosité d'apprentissage. Il faut aussi, je pense, avoir une bonne logique, tout simplement parce que bah, un code qui est correctement fait, c'est un code qui est bien organisé, bien nommé, bien commenté. Et ça, c'est important bah, pour soi-même quand on a besoin de reprendre son code quelques mois ou quelques années plus tard pour faire évoluer une application ou lorsqu'on travaille en équipe. Donc là, c'est important d'avoir une bonne logique de développement pour que tous les membres de l'équipe bah, puissent comprendre ce qu'on vient de développer. On est amené aussi à être en lien avec différents interlocuteurs quand on est développeur web. Donc c'est bien évidemment les personnes de son équipe, son manager, mais également les personnes qui représentent le client. Et donc, il faut quand même avoir un minimum d'une bonne communication et être à l'écoute, parce que surtout ceux qui veulent être freelance par la suite, bah, c'est des étudiants qui doivent écouter leurs clients pour bien comprendre ce dont ils ont besoin et transformer bah, des phrases via cahier des charges en ligne de code et en site web. Et puis, je réfléchissais aussi, au fait qu'il me semble que c'est important d'avoir capacité de prise de recul, parce que c'est un métier dans lequel on est confronté régulièrement à des problèmes techniques, ce qu'on appelle grosso modo des bugs, parfois des gros problèmes techniques qu'on n'arrive pas à résoudre dans la seconde. Et du coup, il faut savoir passer à autre chose. Il faut savoir, voilà, faire une pause, laisser son, ré je dis souvent, laisser son cerveau un peu réfléchir tout seul. Une petite anecdote perso, quand j'étais moi-même développeuse, ça m'est arrivé de rêver la nuit de ma correction de code. Et voilà, le cerveau, il travaille un peu tout seul. Et puis, à un moment donné, on se dit, tiens, j'ai pas testé ça. Je vais tester ça. Et puis, ça fonctionne. Et là, on est trop content. Voilà, donc pas mal de mon point de vue, Valérie, elle va certainement confirmer, j'espère, des trucs et apporter des choses, mais voilà, pas mal voilà, la logique, la curiosité, l'envie d'apprendre, la prise de recul, la créativité. Voilà. Alors moi je vais en profiter pour juste compléter sur les hard skills aussi,
Parce que dans le chat, finalement, la première question qui est venue, c'est est-ce qu'il faut être bon en maths? Donc, et la réponse est ce qui vient d'être dit. On n'a pas besoin, enfin, on n'a pas besoin. Si c'est comme apprendre une nouvelle langue. C'est un nouveau langage, c'est une façon de penser et ça demande effectivement d'être logique. Nous, c'est ce qu'on fait comme premier test. On fait des tests deux petits tests de 5 minutes de logique. Ça, c'est extrêmement important. Par contre, il n'y a pas besoin d'être premier de la classe en maths. Il n'y a pas besoin d'avoir fait, alors ça n'existe plus, hein, je suis désolée, je suis un peu vieille, donc de terminale S ou je ne sais trop quoi. Parce que y a plusieurs façons d'apprendre, ça sort du chat. Il y a des gens qui apprennent de façon assez théorique et qui font une école d'ingénieur, effectivement, font un bac plus 5, ils vont en cybersécurité ou en data. Et des gens qui apprennent plus par la pratique et qui viennent aux algorithmes, etc., par la pratique. Donc, il n'y a pas besoin d'être un crack en maths, il y a besoin d'être logique et d'être organisé, il y a besoin d'apprendre, enfin d'avoir une capacité d'apprentissage qui est importante. C'est un métier, moi, alors vu plutôt de l'extérieur, où je trouve qu'il faut être extrêmement persévérant. On dit toujours la motivation, la motivation. Oui, la motivation, c'est aussi celle de rater souvent, d'être dans un truc où ben, ça marche pas, ben, faut refaire, il faut réfléchir, il faut se poser des questions, il faut y retourner. Je vois que les gens, par exemple, qui sont bons en jeux vidéo, ils ont cette aptitude à tout le temps essayer de trouver comment ça va marcher pour que ça fonctionne. Donc, une grande persévérance, une grande motivation, et puis effectivement de la créativité, ce qui ne paraît pas au premier abord. Un métier où il faut avoir envie de, voilà, d'inventer des choses, de travailler en groupe par rapport à quand la 3W a été créée en 2012. Les développeurs web, on avait l'image de quelqu'un tout seul dans sa cave qui bossait. Aujourd'hui, c'est un métier où on travaille tout le temps avec l'UX designer, avec le designer web, avec le biz dev, j'ai vu des questions là-dessus. Voilà, c'est un métier beaucoup plus en collaboration. Donc, c'est quelque chose que tous les organismes de formation essaient de promouvoir en obligeant à faire des travaux de groupe, des projets de groupe, parce que c'est important. Et la dernière chose, hein, ça va pas être une soft skills, mais bon, tant pis, c'est l'anglais. Il faut pas avoir un niveau d'anglais, il faut pas être bilingue, c'est pas le problème. Mais il faut savoir que ça fait partie des compétences à avoir, être capable de lire une doc en anglais, les codes sont en anglais. Donc, c'est quelque chose à travailler, en fait. Et puis, le dernier point, c'est, je pense, un des métiers où il faut le plus apprendre à apprendre et apprendre tout seul et apprendre tout au long de sa vie. C'est les langages changent, on verra ça tout à l'heure, mais voilà, les langages changent, les demandes des entreprises changent, les sites, au début c'était des sites internet, maintenant c'est des applications qui servent à tout dans tous les métiers. Les langages vont changer et c'est important de ben, d'évoluer avec en fait et ça demande ben, beaucoup de travail personnel, de se maintenir au niveau, d'être en avance sur certains langages. Enfin, voilà, c'est un métier qui est à la fois super ouvert pour tout le monde et en même temps, moi, plus j'y suis, plus je me rends compte à quel point c'est exigeant et les gens qui y vont ont beaucoup de courage et beaucoup de persévérance. Vous parliez, Valérie, justement, d'évoluer. Tout ça, c'est un mot-clé pour ma prochaine question, ou la dernière, en tout cas, sur le métier lui-même. Est-ce que vous pouvez parler de l'évolution du métier de développeur web? Est-ce que vous pouvez peut-être aborder la question des salaires, leur augmentation au fil des années? J'imagine que ça va intéresser les participants. Peut-être Damien aussi, si vous Ouais. souhaitez. Bah, bon, les salaires, aujourd'hui, le salaire médian qu'on a sur le baromètre des salaires de Wheel of Dev, il est de 40K partout en France pour le métier de développeur. Faut voir qu'en région, on peut avoir des salaires d'entrée pour un jeune diplômé qui peuvent être plus bas, hein, qui peuvent être même à 1 500 ou 1 600 euros net par mois. C'est pas non plus. Ça arrive aussi, quoi. Les salaires, ils ont été vraiment hyper tendus sur les 2 dernières années. Et là, depuis la guerre en Ukraine, ils redescendent un peu. Mais ils étaient vraiment très surcotés.
Il y a vraiment voilà, une surévaluation du marché sur l'an dernier. Donc, après, dans sa carrière, en fait, un développeur ou une développeuse, dans sa carrière, il peut avoir des choix de s'orienter plus vers des fonctions de management, vers des fonctions de ce qu'on appelle les métiers du fonctionnel, c'est-à-dire PO, MOA, etc. Il peut se spécialiser aussi sur l'expertise, il peut devenir agiliste ou simplement on peut devenir faire du management. Et les salaires, là, à ce moment-là, ils n'ont plus forcément de limites ou de règles de marché. En fait, en gros, grosso modo, il y a un premier palier. Moi, quand j'étais en province, enfin, je suis à Lille, le premier palier qu'on cherchait tous à passer, c'était le 40K qu'on pouvait passer en quelques années, plus ou moins vite, en fonction des personnes et en fonction des entreprises. Mais après, à partir de là, en fait, le salaire, il dépend de l'impact que vous allez avoir dans l'entreprise. Donc, si vous avez un métier de DevOps, par exemple, et où vous changez vraiment la façon de travailler de l'ensemble des techniciens d'entreprise, votre salaire il sera plus élevé et en province là-dessus on peut parler de salaire à 70K à Paris on peut parler sur des salaires jusqu'à 120K par exemple. Très bien. Et alors pour répondre à une question qu'il y avait sur les diplômes au moment de l'entrée sur le marché, en fait quand vous êtes un junior ou un jeune développeur ou une jeune développeuse sur le marché, là on regarde les diplômes parce qu'ils sont plus significatifs que votre expérience. Mais à partir de 3, 4, 5 ans d'expérience, en vrai, vos diplômes n'ont plus beaucoup de sens dans votre évolution professionnelle. C'est plus ben, vos soft skills effectifs qui font la différence. Le fait de savoir parler anglais, le fait d'avoir montré que vous savez gérer avec sang-froid des situations de projet tendues, etc. C'est plus ça qui vous donne des évolutions de carrière que votre formation initiale, quoi. D'ailleurs, il y a une question dans le chat aussi sur l'âge pour lequel on peut se reconvertir dans les métiers du dev. Là, vous confirmez qu'il n'y a pas d'âge limite, j'imagine. Bah là, le problème, c'est le contrat pro. Les contrats pro, en fait, ça coûte plus cher que les contrats d'alternance. Effectivement, faire de l'alternance à 52 ans, c'est très dur parce que ça coûte beaucoup plus cher de prendre un alternant de 52 ans que de prendre un alternant de 20 ans. Clairement, les entreprises, quand elles donnent un budget pour une alternance, elles n'ont pas le budget pour prendre quelqu'un qui a 52 ans. Il y a clairement eu un effet négatif là-dessus des subventions de l'État pour les apprentis qui étaient conditionnés à la jeunesse de la personne. Donc cet effet-là, ce frein-là, vous allez le voir, les offres, il y a les offres qui sont ouvertes en alternance, mais elles ne sont pas ouvertes à des personnes qui ont plus de 30 ans. Mais ce n'est pas 52 ans le souci, hein. Clairement, à partir de 25, il y a déjà le problème. Et du coup, C'est qu'est-ce que vous exactement dites aux ça, ouais. personnes qui voudraient se reconvertir et qui sont plus âgées, du coup, enfin, c'est de se former en Ah, en fait, c'est ça, c'est comment? de venir avec ses soft skills. Moi, ce que je vois, par exemple, sur des personnes qui sont jeunes diplômées et qui font l'agilité par rapport à des gens qui ont fait une reconversion et qui ont de l'agilité, moi, je suis impressionné par les personnes en reconversion qui ont travaillé dans la restauration, par exemple, qui sont capables, juste même sans parler, dans le non-verbal, de donner de la considération aux autres personnes qui sont dans la pièce. En fait, ça, c'est un soft skill qui est fort et qu'il faut valoriser et qui se voit en entretien. Donc, mais il a tendance en fait à être masqué par la situation du chercheur d'emploi, de la chercheuse d'emploi qui est en situation de syndrome de l'imposteur, qui se Oui. dévalorise, etc. Mais en vrai, non, restez fidèle à vous-même, restez vous-même et faites confiance aux recruteurs qui savent aussi reconnaître ces soft skills-là et qui sauront identifier que ben, vous avez une richesse personnelle dans votre parcours précédent. Voilà. Après, effectivement, il y aura des freins sur le salaire parce que ben, c'est compliqué de donner un peu plus de rémunération à une personne qui a plus d'expérience pour un poste où on aurait pu recruter un junior. Ça, c'est le sujet, il sera toujours présent, mais en tout cas, les raisons de vous recruter, c'est ça. D'accord. Il est important de travailler quand on est en reconversion sur sa propre histoire personnelle en fait et professionnelle. Je pense que c'est important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, de dire oh ben non c'est fini, je fais plus ça, maintenant je fais du développement web. Et au contraire de vraiment se demander, mais aussi demander aux autres hein, qui ont souvent une meilleure opinion de nous, ce qu'on est capable d'apporter à une entreprise et ce qu'on est capable d'apporter à un projet avec l'expérience qu'on a. Et ça, enfin, moi je trouve c'est souvent au cours, ce qu'on appelle des entretiens réseau. Alors c'est moche comme nom, mais d'aller autour de soi, de commencer à mettre sur LinkedIn, je suis en reconversion et d'aller voir des gens. Moi, c'est des questions que je pose aux entretiens en disant, mais est-ce que vous connaissez des gens dans le développement web? La réponse est toujours non au début, puis au bout de 5 minutes, ah mais si, parce que j'ai mon voisin, mon truc, mon machin. Et ça donne confiance aussi.
dès le début, de faire des entretiens, voilà, de demander aux gens de parler de leur métier. Parce qu'on apprend toujours et on se rend compte à quel point il y a des compétences qui sont utilisables dans le métier de développement web et qu'on a pu développer autrement et dans autre chose. Après, c'est compliqué de se reconvertir. Plus on est âgé, plus c'est compliqué. C'est, je trouve important de le faire. Enfin, y a beaucoup de gens de la restauration qui sont reconvertis pendant le Covid ou maintenant, enfin, de façon assez rapide. Je trouve que c'est bien parce que ça va prendre un peu de temps, il faut le savoir. Donc, voilà, il faut travailler sur son projet, il faut travailler sur son portfolio, il faut s'améliorer de façon technique, de façon à prendre confiance en soi et moins avoir le syndrome de l'imposteur. Et puis, ben, nous, on place en alternance à la fois des jeunes et des vieux, enfin voilà, des gens de moins de 25 ans et des gens de 50 ans. Et ben c'est pas facile d'intégrer quelqu'un de 50 ans dans une entreprise parce qu'il a tout un vécu, etc. Donc ça fait souvent peur aux employeurs qui se disent mais ça va pas aller avec mon équipe. En fait, souvent ce sont des gens plus stable, je sais pas, mais plus, voilà, plus calme, etc. Et ça peut calmer, en fait, une équipe très jeune. Ça peut donner de la maturité à une équipe très jeune. Alors que quelquefois, embaucher quelqu'un de 21 ans, ben, en fait, c'est pas facile non plus à intégrer. Enfin, bon. Voilà. Donc, faut y aller. Super. Moi, je vais Merci. me permettre d'ajouter deux petits conseils. Le premier, c'est que il faut éviter, par rapport au syndrome de l'imposteur, de se mettre dans une posture de demandeur d'emploi. Souvent, les étudiants qu'on accompagne, c'est voilà, est-ce que vous avez une place disponible? J'aimerais bien apprendre à vos côtés. Et je leur dis, rien que de changer la posture et de dire, je sais faire ça et je peux vous aider à faire telle ou telle chose dans tel ou tel langage. Donc, proposer ces services et pas demander un emploi, la posture est différente et du coup, la prise de contact, la première prise de contact avec l'entreprise est meilleure. Ensuite, par rapport aux étudiants bah, qui auraient passé la barre des 25 ans, alors juste pour repréciser, parce que Damien, tu as parlé de ce seuil de 25 ans et je suis tout à fait d'accord. À partir de 26 ans, en alternance, un étudiant gagne au minimum 100% du SMIC. Quand il a 25 ans, s'il est dans sa première année d'apprentissage, il gagne grosso modo la moitié, c'est 53%. Donc en fait, on a des entreprises qui ont des faibles budgets pour accompagner les étudiants en alternance, qui nous disent très clairement, il n'est pas possible que l'étudiant ait 26 ans pendant toute la durée du contrat. Souvent, un contrat pour une formation diplômante, hein, c'est au minimum un an. Donc, il faut que l'étudiant n'ait pas encore 25 ans pour que bah, ce schéma financier-là fonctionne. Et donc, à partir de 25-26 ans, ça devient plus compliqué. Les étudiants là, que l'école d'Oranco accompagne en alternance, qui sont en contrat de professionnalisation, donc là, on a passé la trentaine. Déjà, vous devez savoir que vous avez des aides si vous êtes demandeur d'emploi de longue durée. Enfin, l'entreprise qui vous embauche en contrat de professionnalisation peut avoir une aide équivalente, hein, les 8 000 euros, si vous êtes demandeur d'emploi de longue durée. Et après, moi, je leur donne comme conseil de ne pas aller taper dans les ESN, les grosses entreprises, qui vont aller chercher du jeune, beaucoup de bac plus 5. Voilà, c'est dans leur schéma d'embauche. Et c'est comme ça, j'espère que ça va changer. Et ni de taper dans les startups ou les très petites entreprises qui ont des finances qui sont plus fragiles. Voilà, c'est l'objectif d'une startup. Elle n'est pas encore pérenne dans son activité. Donc, c'est beaucoup plus risqué financièrement pour eux de s'engager, même sur 12 à 24 mois avec un étudiant en alternance. Donc, les étudiants qui ont passé la trentaine, plutôt se diriger vers des PME où le contact va être beaucoup plus simple avec pourquoi pas les dirigeants de l'entreprise ou le directeur technique qui est potentiellement le futur tuteur, de déclencher un coup de cœur. Et moi, les étudiants que j'accompagne, ce n'est pas forcément les plus forts techniquement, mais c'est vraiment ceux qui ont une posture, qui ont su leur évoquer que voilà, pas de problème pour eux d'apprendre des nouvelles choses. Donc, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, la capacité d'apprentissage tout au long de sa vie professionnelle et d'avoir une vraie valeur ajoutée par rapport effectivement à un très jeune
qui n'a pas forcément encore les codes de l'entreprise, que ce sera peut-être difficile de le mettre en relation directement avec un client parce que voilà, il ne connaît pas encore l'entreprise. Alors qu'un étudiant plus âgé en PME bah, peut très très vite avoir un vrai relationnel avec le client, donc décharger son manager de cette partie-là. Et donc, cette valeur ajoutée, elle est importante. Et c'est comme ça que voilà, les plus de 30 peuvent réussir à faire la différence avec des très jeunes qui ne coûtent pas cher, effectivement. Voilà. Super, merci Virginie. Alors, ce que je propose avant de rentrer dans le deuxième tour de questions, qui sera plus sur vraiment les langages pour devenir développeur web, je vais peut-être rassembler un tout petit peu les questions qui sont restées sans réponse dans le chat ou qui ont été répondues partiellement. Merci Damien, Clarisse, je vois aussi Marie-Pierre de la Grande École du Numérique que vous répondez aussi au chat. Mais peut-être quelques questions. Alors, il y en a trois que j'ai un petit peu rassemblées. La première qui serait vraiment comment se vendre pour sa recherche d'alternance, comment construire en fait son portfolio, qu'est-ce qui est important de mettre dedans. Une deuxième question, est-ce que les doubles compétences sont valorisées? Par exemple, j'ai vu une formation dev et Scrum Master. Est-ce que c'est quelque chose qui est attirant pour les employeurs? Et également une question sur le statut d'une personne qui était auto-entrepreneur et qui souhaite devenir aujourd'hui développeur. Voilà, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pouvez peut-être prendre chacun une question, commencer par Valérie Ah, moi, peut-être? je peux répondre Ou à oui, l'adresse si tu Damien? veux. Bah, pour le statut d'auto-entrepreneur, moi, par exemple, j'ai repris des jobs après avoir été indépendant, même en informatique avant. Et même en ayant été indépendant en informatique, c'est compliqué de valoriser une expérience qu'on a eue tout seul parce qu'on n'a pas de nos clients n'ont pas la même valeur en termes de référence parce qu'ils n'évaluent pas notre travail comme nos pairs, en fait. Et en vrai, ben, ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas eu trop de soucis. C'est juste qu'il faut être très clair sur le fait que la période entrepreneuriale, elle est fermée. J'ai eu des patrons qui ont pu avoir peur que je reparte pour me remettre à mon compte, etc. Ça, il faut bien expliquer que c'est une période, ça va avoir un bon storytelling sur pourquoi on veut revenir en poste, etc. Et ça fonctionne bien, quoi. C'est pour la question de Audrey. Moi, je peux intervenir sur la double compétence, par exemple. Donc, il est marqué finance web, mais il y a aussi des gens qui demandent pour le biz dev. Alors, oui, une double compétence, c'est toujours utile. Et en fait, on en a tous. Je crois qu'on ne s'en rend pas forcément compte. C'est vrai pour des gens qui sont en reconversion et qui ont eu un parcours avant. C'est vrai pour des gens qui ont fait de l'associatif. Enfin, voilà. On a pas mal de compétences et c'est important de les connaître parce que souvent c'est des compétences métiers qui sont appréciées, c'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé dans la banque ou dans la finance et qui n'a pas forcément été, enfin, je veux dire, voilà, qui connaît le milieu et qui se reconvertit dans le développement web, eh bien, l'entreprise n'a pas besoin de lui apprendre non seulement les codes du métier, mais en fait comment ça marche. Donc, c'est un gain de temps extrêmement important pour l'entreprise. Après, je crois qu'il faut voir la double compétence dans les deux sens. Moi, je me suis rendu compte depuis quelques années, on a des gens qui viennent pour être développeurs web. Ils font une formation courte, 4 mois, un projet, tout ça. Puis ils me disent, en fait, maintenant que j'ai fait ça, ce qui m'intéresse, c'est plus d'aller vers le design, c'est plus d'aller vers le biz dev, c'est plus d'aller vers la cybersécurité, etc. Donc, c'est une sorte d'ajout de compétences qu'on a. Et on se construit son propre parcours en fonction de ce qui nous attire et de ce qu'on aime. Donc, quelquefois, être développeur web, c'est pas le truc final. Voilà, c'est aussi une étape sur un parcours. On a des gens qui ont fait de la médecine, de la bio, qui viennent sur les jeux vidéo parce que ça a un sens vis-à-vis de leur métier. Voilà, donc je pense que c'est vraiment important de se dire qu'on a tous plein de compétences en fait. Ce n'est pas juste une double compétence, mais qu'on en a pas mal et qu'il faut, enfin, que c'est aussi cette originalité qu'on a qui fait que ça va coller avec une entreprise. On a des gens qui connaissaient le milieu du vin et qui sont allés dans des sites de e-commerce de vin. Enfin, voilà, il faut. On en a tous des compétences. On en a plein
Et BizDev, pour quelqu'un qui a fait du commercial, c'est super et ça peut être en passant par le développement d'un site web ou pas. Donc, je pense que voilà, c'est bien de les identifier et c'est des choses qui sont importantes en formation. On compte sur les doubles compé sur les compétences de chacun pour former tout le monde, en fait. Super. Et du coup, oui, Et ben peut-être moi, je juste vais un dernier mot, réagir oui, sur le sur portfolio. comment bien se vendre quand on est dev web. Donc effectivement, on va d'abord être recruté sur son côté technique, hein, il faut avoir des compétences techniques. Donc avoir un portfolio et un profil sur GitHub, par exemple. Je ne dis pas que les recruteurs ils vont aller fouiner sur le GitHub pour aller voir vraiment comment est foutu le code, mais ne serait-ce qu'aller voir juste dans un fichier pour, encore une fois, constater si les règles de nommage sont appliquées, si le code est commenté et qu'il a l'air de qualité, ça peut faire la différence. Donc, de mon point de vue, quand on est développeur, on doit aller, je dis toujours à mes étudiants, faire bouffer de la technique au recruteur pour qu'il ait envie de nous appeler. Et là, lors d'un appel téléphonique, vendre ses soft skills. Mais en premier lieu, c'est les hard skills, donc les compétences techniques. Un portfolio, c'est bien, mais il faut aller plus loin qu'un site statique, encore une fois, parce que c'est un secteur qui recrute énormément, mais dans lequel les étudiants ont beaucoup de concurrence, puisque c'est un métier qui plaît. Et donc, il faut se différencier des autres. Donc, faire un portfolio qui est trop statique, qui ne serait pas responsive, par exemple, ça peut être une erreur de croire que le recruteur, il a forcément un grand écran. Eh bien non, peut-être que le recruteur qui est technique, il va tester de l'ouvrir avec sa tablette, avec son téléphone portable, et déjà, ben, mauvais point si le site n'est pas responsive. Et donc, voilà, pas un site vitrine, essayer de mettre en place plusieurs fonctionnalités qui soient la plus interactive possible avec l'utilisateur pour, encore une fois, démontrer en quelques clics au recruteur que vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer dans une entreprise une mission de développement web. Et après, bah, nous, ce qu'on met en place dans les écoles, il y a des séances de coaching, des ateliers recherche d'entreprise, où là, on va encore aller plus loin, c'est qu'on va presque aller dans le détail de comment tu valorises ta précédente expérience, comment tu valorises la formation que tu as déjà faite, comment tu valorises les compétences techniques que tu as, comment tu vas mettre en avant le lien vers ton profil GitHub, ton portfolio ou un autre site web, hein, peu importe. Comment tu vas te valoriser aussi lors d'un entretien, et c'est souvent lors des préparations d'entretien qu'on va aller chercher toutes ces qualités là qui parfois il faut aller creuser, creuser, creuser pour que l'étudiant prenne même des fois conscience de son propre parcours et des enchaînements qu'il a pu avoir lors de sa vie professionnelle. Mais voilà, la technique, en premier lieu pour décrocher un entretien, je trouve qu'il n'y a que ça de vrai. Juste un petit mot à rajouter, c'est les tests. Ça arrive que les entreprises commencent par les tests. Enfin, nous, on en fait passer en amont des entretiens pour que les gens prennent l'habitude, parce qu'entre le premier test et le deuxième test, ils gagnent déjà plein de points. Donc, il y a une question d'habitude. Mais aussi de ne pas avoir peur. Il y a pas mal de gens qui ne vont pas répondre au test, en fait. Juste le fait d'y aller, de montrer que, OK. Bah, j'y vais, je fais le test. C'est déjà super positif en fait. Donc, quand ils reviennent d'entretien, en disant, ouais, mais je crois que j'ai loupé le test technique, ça veut rien Alors, dire en fait. Enfin. le test technique, éventuellement, ça permet d'identifier les bons, mais ça ne veut pas dire que ceux qui l'ont raté sont pas bons. Parce que là, dans la vraie vie, on Exactement. ne fait pas ça, en fait. Ouais. Du coup, pour compléter, sur Wheel of Devs, on a des QCM. Il y a plus de 80 QCM qui sont disponibles gratuitement pour les candidats. Vous créez juste un compte, vous pouvez tous les passer. Et vous n'êtes pas obligé de montrer vos résultats si vous n'avez pas réussi ce QCM-là. On a aussi un coaching en vidéo qui a été financé par la Grande École du Numérique et qui est en 10 leçons. Il est gratuit sur notre site web et qui vous permet de réfléchir effectivement à votre démarche de recherche d'emploi. Et finalement, en fait, effectivement, faut bien voir que la moitié finalement de la valeur professionnelle d'un développeur ou d'une développeuse, c'est de comprendre le métier sur lequel on travaille
On a un peu comme le caméléon, quand on travaille dans la santé, ben on s'intéresse au métier des personnels de santé qui utilisent le logiciel. Si demain vous allez faire du logiciel dans l'aérien, ben vous allez comprendre comment on marche en aéroport, comment travaillent les gens là. Et dans notre carrière-là, on a notre chance, cette chance-là de pouvoir changer de métier. Et si on doit résumer tous les soft skills à un seul soft skill, finalement, c'est ce soft skill d'empathie, de comprendre ce que font les utilisateurs avec notre logiciel et pourquoi en fait on le fait, comment on les aide. Et donc la double compétence vous aidera toujours à faire ça. Et partez de ça en fait pour réfléchir aux soft skills que vous avez envie de mettre en avant dans votre profil et dans votre approche. Super. Merci beaucoup, Damien. Merci à tous. N'hésitez pas à mettre les liens peut-être vers les CRM, le QCM, etc., les pages dans le chat pour que les personnes puissent y avoir accès directement. Je pourrais aussi les renvoyer par mail dans un second temps. Donc on va passer là à la deuxième partie de questions qui est plutôt un peu plus technique. Et peut-être avec la première question qui a intéressé beaucoup de participants déjà dans le chat, j'ai vu, les personnes ne savent pas forcément vers quel langage se tourner avant d'entrer sur ce vaste marché du développement. Est-ce qu'on peut peut-être revenir là-dessus? Est-ce qu'il y a un langage préféré des Français? Est-ce qu'on peut aussi changer en cours de route si on ne se sent pas très à l'aise avec un langage? Peut-être oui, Oui, je veux Virginie, bien pour répondre. commencer. Ouais. Alors, c'est sûr que ce n'est pas facile de s'y retrouver dans ce secteur-là parce qu'il y a une multitude de langages, des vieux, des plus jeunes. Grosso modo, moi, je pense que Damien pourra. N'hésite pas à me couper si je dis des bêtises, mais de mon point de vue, le langage aujourd'hui le plus populaire, ce serait plutôt le JavaScript. Une fois qu'on connaît bien le JavaScript, eh bien, on peut se lancer dans l'apprentissage de toutes ces API, de tous ces frameworks et faire des choses juste extraordinaires. On peut presque tout faire juste avec une base en JavaScript. Ensuite, côté back-end, moi, je pense qu'il faut avoir la notion d'un langage de programmation. Le plus facile d'apprentissage, je pense que c'est le PHP. C'est aussi celui qui est le plus utilisé et qui va permettre de faire des applications qui sont classiques, basiques, pas trop complexes. Et après, bah, parce que moi j'étais développeuse Java, pour moi le Java c'est un très très bon langage et qui est encore énormément utilisé, mais plutôt dans les très grosses structures. Qui vont aller consommer des données très volumineuses. Donc voilà, je pense que Java, c'est un petit peu plus dur que PHP à apprendre, en tout cas à apprendre tout seul. Si on est avec un formateur, bah, voilà, après c'est la pédagogie du formateur. Mais une fois qu'on a appris JavaScript, apprendre voilà, soit le PHP, soit le Java, et aller mettre en place des applications. Qui sont complexes avec voilà, de la base de données, tous ces services web pour que ça communique bien. Et je pense que là, on est bon et que du coup, apprendre un autre langage, apprendre une nouvelle API, un nouveau framework, bah, aucune difficulté quand on a ces bases-là. Qu'est-ce que tu en penses, Damien? Oui, les paradigmes de programmation sont les mêmes, peu importe le langage. Donc ça fonctionne aussi. On va faire beaucoup de programmation orientée objet ou de programmation objet tout court. Aujourd'hui, faire un autre paradigme qui est la programmation fonctionnelle, ça reste quand même assez marginal dans les métiers. Le Java est clairement toujours majoritaire en emploi en France. Et c'est vrai que JavaScript est peut-être celui qui fait le plus de mouvements parce que les gens qui faisaient du Java, ils arrêtent de faire du Java pour faire du JavaScript. Le JavaScript est un peu celui qui cannibalise tous les autres et qui grandit toujours. Et PHP, donc les technos autour de PHP sont très populaires sur le web en France. Elles sont un peu moins populaires dans le reste du monde. Le PHP, c'est un truc quand même assez franco-français et israélien aussi, paradoxalement. Pour aller bosser à Montréal, pour faire du PHP sur des gros sites web, par exemple. Le Python qui a été mentionné ici dans le chat est quand même vraiment de plus en plus populaire aujourd'hui en France. Il Tout redevient simplement là. populaire parce que c'est un vieux langage, Python, en fait. Et Ouais. ça redevient populaire, là, non? Alors je ne sais pas s'il est plus vieux que. Je pense qu'il est moins vieux que PHP ou Java. Clairement, OK. Python a été inventé après Java. Mais le Python redevient populaire aujourd'hui parce que la version 3, elle commence à être stable.
Alors qu'il y a 5 ans, la version 3, elle n'était pas finie. Enfin, l'écosystème était coincé entre deux versions. Et donc aujourd'hui, les entreprises qui font la data, elles vont opter pour du Python et on peut faire du web avec du Python. Et oui, la question sur back-end, front-end, full stack, on va y répondre juste après. C'est le truc. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est Ouais, ça. après, il y a des. En fait, si, aussi quand vous reconvertissez, on va vous proposer aussi des vieilles technos. Parce que c'est des métiers où on recrute parce que les gens qui sont en poste ne veulent plus les faire. Vous allez entendre parler de COBOL et d'ABAP, de ces choses comme ça. Mais en vrai, si vous avez envie d'en faire, c'est cool. Si vous n'avez pas envie d'en faire, c'est pas grave, quoi. Nous, un truc qu'on essaie d'éviter, c'est je sais pas, enfin, d'aller d'un langage à l'autre. Ce qui nous semble important, d'après ce que nous disent les entreprises, c'est ben voilà, effectivement, si vous choisissez le PHP, vous y mettez à fond, ensuite vous progressez en apprenant un framework du style Symfony, et une fois que vous avez bien maîtrisé un langage, que vous êtes bien à l'aise avec, vous pouvez vous mettre à apprendre d'autres langages tout seul ou en étant accompagné. Mais je pense que les entreprises, elles préfèrent avoir des gens qui se sont dédiés un petit peu à un type de langage, qui le connaissent bien, plutôt que de s'éparpiller en faisant un peu de JavaScript, un peu de PHP, un peu de ci, un peu de ça. Voilà. Et puis chaque langage, c'est différent si vous voulez aller travailler en start-up, sur une grande entreprise, en ESN. Voilà, effectivement, il y a encore beaucoup de grandes entreprises qui tournent avec du Java. Il y a encore beaucoup de jobs là-dedans, et beaucoup de sites Internet en France qui tournent avec du PHP, même si le JavaScript est à la mode. Je pense qu'il ne faut pas céder aux sirènes de la mode non plus. Il y a des tendances lourdes et il y a quelques grands langages qui structurent le PHP, le JavaScript. Faites pas d'erreur si vous choisissez l'un ou l'autre. Ouais, c'est ça. On va faire quelque chose qui vous plaît avant tout. Si vous faites Oui. quelque chose qui vous plaît pas, en fait, vous n'arriverez pas à trouver de travail. Faites quelque chose qui vous plaît, ça se verra en entretien et vous aurez plus facilement du travail, en vrai. Très bien, merci beaucoup. Damien et tout le monde. Oui, du coup, je reprends la question qui est dans le chat et voilà, que tout le monde se pose. Est-ce que vous pouvez revenir sur la fameuse différence entre full stack, front-end, back-end? C'est quand même important, effectivement. En fait, le front-end, le logiciel est découpé en tiers. Donc, vous allez avoir, par exemple, le front-end, c'est plus souvent ce qui est exécuté sur votre ordinateur, alors que le back-end, c'est quelque chose qui est organisé exécuté sur un ordinateur distant. On appelle aujourd'hui le cloud, et avant, on appelait ça des serveurs. Et donc, ça, c'est la différence entre le front-end et le back-end. Vous allez avoir différents front-ends, vous allez avoir le front-end public, vous allez avoir les back-office, etc. Et donc, les technos qui tournent sur le serveur distant, ce n'est pas forcément les mêmes qui tournent sur votre machine. Quand vous jouez à un jeu vidéo, par exemple, si vous allez avoir des technos comme du C ou du Java ou de l'OpenGL ou des moteurs graphiques comme Unity, ça, c'est les technos qu'il y a dans votre client. Si vous faites du web, ça va être souvent du JavaScript dans le client. Et sur le serveur à distance, ça peut être du web, du JavaScript encore, mais du PHP, du Ruby, du Python, du Java, tout ça, tout ça. Et alors, le full stack, en fait, c'est plus un mouvement dans le métier, un changement dans le métier. C'est-à-dire qu'avant même que moi je m'y mette, d'ailleurs, ça date un peu. Quand j'ai commencé, les développeurs d'applications mobiles, ils faisaient que du front, du coup. Et il y avait d'autres développeurs qui faisaient le back. Et quand on avait une nouvelle fonctionnalité à faire, il fallait que les développeurs back ils fassent leur bout. Et ensuite, ils le livrent. Et ensuite, les développeurs front, ils fassent leur bout. Et on vérifie si ça marche ensemble, quoi. Donc, le développeur full stack aujourd'hui, il fait une fonctionnalité de bout en bout. Même si ce n'est pas le meilleur sur le back, c'est un développeur front, il le fait bien. Si c'est un développeur back, il n'est pas le meilleur sur le front, il le fait de bout en bout. Et éventuellement, peut-être qu'après, on le repassera dessus. Donc, il y a un développeur back qui repassera dessus. Et quand vous êtes sorti de formation, de manière générale, on vous forme à être full stack parce que vous choisirez si vous préférez le back ou le front dans un second temps. Moi, je pensais que je préférais le front, mais en fait, je n'aime pas du tout le front. Au bout de 2 3 ans de formation, je me suis rendu compte que je préférais le back. Mais c'est compliqué de faire du back quand on fait du mobile et quand même principalement du front, par exemple. J'ai bien répondu? Très Très bien. bien. Est-ce que vous voulez compléter, Virginie, Valérie, ou est-ce qu'on passe à une autre question? Pour moi, c'était assez clair, hein, la réponse de Damien sur le back, le front et le full stack. Merci, Damien.
D'ailleurs, bah, du coup, on a plusieurs questions aussi qui sont sur les formations, vraiment. Quelle Ouais. est la meilleure formation, en fait, pour s'initier à la programmation quand on ne s'y connaît rien, quand on est complètement novice dans la matière? Est-ce que vous pouvez peut-être revenir là-dessus? Quand on n'y connaît rien, on peut aller regarder déjà des choses sur Internet, Ouais. hein. Encore une fois, la curiosité doit amener à regarder des petites vidéos, des petits tutos, des choses comme ça. Après, nous, par exemple, à l'école de Rancon, on propose des formations bootcamp. Donc, c'est des formations courtes d'initiation au développement. Et ça permet effectivement aux étudiants qui semblent intéressés par ce métier-là, bah, d'aller vraiment tester et de se rassurer sur bah ouais, en fait, j'adore, je veux vraiment faire ça, donc je veux poursuivre les études, ou de dire bah, finalement, j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop compris. Donc, je pense qu'un bootcamp, et effectivement, Damien, tu soulignes la formation gratuite de graphic art pour démarrer des petites choses, voilà, c'est très bien fait. Allez découvrir pour savoir si ça peut plaire. Moi, il y avait le site du zéro quand j'étais jeune. Et ça Ouais. n'existe plus, le site du zéro. Mais je pense qu'aujourd'hui, si je repartais de zéro, j'irais sur Graphic Art. C'est ce qui est utilisé beaucoup. Vous allez trouver aussi beaucoup de tutos sur YouTube. Et les tutos YouTube, par exemple, sont faits par des YouTubeurs comme Graven Dev. Sont hyper accessibles. Il y a des jeunes qui ont moins de 15 ans qui les font et qui apprennent à coder comme ça. Et moi, j'ai appris à coder à 13-14 ans avec des livres. Aujourd'hui, clairement, je n'achèterai plus des livres. J'irai faire des tutos YouTube, quoi. Ouais, alors le site zéro s'appelle Open Classroom maintenant. On peut Ouais. dire plus simplement Bah, c'est qu'Open le Classroom, site de c'est Mathieu le. Nebras. On peut... C'est plus simple de dire que Open Classroom, c'est le successeur du site zéro, mais vraiment, c'est plus pareil, quoi. Alors, à la 3WA, ce qu'on essaie de faire, enfin, on a un site gratuit d'initiation. Et puis, pour ceux qui hésitent un peu, se disent, ah non, c'est vraiment pas fait pour moi, ça va être trop dur, qui ont besoin juste d'un tout petit peu d'aide pour passer le cap, on a des ateliers de codage en ligne. Voilà, ça dure 1 heure, je crois. C'est gratuit et c'est juste pour ça, c'est pour ce petit passage de marche. Et souvent, ça fonctionne bien parce que ça permet après aux gens bah, soit de se dire je vais apprendre tout seul sur Graphic Art, soit je vais sur Open Classroom, soit je vais postuler à des formations. Voilà, donc n'hésitez pas. Le Et professeur. combien de temps dure une formation moyenne pour devenir développeur web, vraiment? Ah, en vrai, ça prend 400 à 2000 heures de formation. Et donc, vous en ferez forcément probablement 400 à 600 avec une formation comme la 3WA ou Odoranko. Et en fait, du coup, dites-vous que les heures que vous passez à faire du graphic art avant, même si c'est 2 heures par jour, si vous avez déjà fait une centaine d'heures de votre côté en travaillant juste le week-end de temps en temps avant d'aller à la formation, c'est du temps gagné en fait sur le temps de votre conversion, quoi. Nous, on a augmenté effectivement le nombre d'heures. À l'origine, c'était 400 heures, c'était voilà, 400 heures, 3 mois intensifs, tout ça. On a les ateliers d'initiation en amont, on a les 400 heures, après on a 1 mois sur le projet, donc on est déjà plus autour de 4 mois, 4 mois et demi. Et puis ensuite, on a beaucoup de suites de parcours en apprentissage ou en contrat pro, ou avec des modules plus courts pour apprendre le React. Je pense qu'on n'arrête jamais, en fait, d'apprendre. C'est une question de temps qu'on a devant soi, d'argent qu'on peut y mettre, enfin, c'est une question de rythme. Je pense que plus on est jeune, mieux c'est de se mettre sur des rythmes un peu longs, sur du 2 ans, enfin voilà, et sur de l'apprentissage pour être en entreprise. Quand on est en reconversion, on a souvent besoin d'un truc plus rapide. Et les 400 heures, eh ben, au lieu d'être sur 1 an, elles sont sur 3 mois. Mais effectivement, c'est vraiment Formation la condensée. limite. Et moi, je vais compléter quand même sur le fait que. Je recommande moi quand même aux étudiants, alors effectivement plutôt ceux qui sont jeunes et pas forcément en reconversion, d'aller le plus loin dans les études. En premier lieu parce que s'ils souhaitent être recrutés dans des grandes entreprises type les ESN, bah, les ESN elles ont des grilles de salaire. Et donc un étudiant qui pourrait avoir juste un niveau bac plus 3 avec par contre un niveau technique énorme serait moins bien rémunéré, aurait un moins bon salaire qu'un étudiant qui sort d'un bac plus 5, mais qui serait un peu moins, on va dire, geek, et qui aurait moins de choses à côté, moins de travail personnel.
Donc vraiment, si vous êtes jeune et que vous voulez travailler dans des grandes entreprises, essayez d'aller jusqu'au bac plus 5, c'est pour des questions rien que salariales, c'est vraiment mieux. Après, pour moi, obtenir un bac plus 2, donc ça peut se faire effectivement en 6 à 7 mois suivant la durée du stage. Chez nous, le stage pour le bac plus 2, c'est 2 mois. Ou en alternance, c'est sur un an et demi. C'est vraiment pour obtenir les compétences de base. Et là encore, c'est tout ce que vous allez faire en parallèle de la formation, en plus, qui va vous permettre d'être meilleur que les autres. Donc d'être détecté plus facilement que les autres personnes de votre groupe et de trouver un travail plus vite. Mais là encore, par rapport à ce marché de l'emploi et aux exigences des entreprises, je conseille d'aller plus loin, soit en continuant sur des formations diplômantes. Et par exemple, chez Doranco, on a aussi des formations qui sont juste professionnalisantes pour voilà, mettre le focus. Bah, on a notamment une formation en Java. Donc, on va sur 4 mois mettre un focus sur Java. Et à la fin, on peut avoir le niveau technique pour rentrer dans une entreprise. Donc, voilà, essayez d'aller chercher loin les études si vous le pouvez, bien évidemment. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, on a 30% des gens qui sortent de la formation intensive qui continuent, qui sont en poursuite de formation, alors que quand on a été créé en 2012, ça existait assez rarement des gens qui commençaient par une formation intensive et qui ensuite décidaient de poursuivre. Nous, on ne le proposait pas, maintenant on le propose chez nous ou ailleurs. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime bien l'idée que dans le web, c'est aussi un métier où, enfin, et des formations où on peut aller marche par marche. On a beaucoup de gens qui nous disent, ah non, mais Bac plus 2, déjà, ce sera bien. Et puis à la fin, on les trouve en cybersécurité, en Bac plus 5. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben j'ai pris goût, puis même écrire les mémoires, là, même écrire. Le rapport de stage et d'insertion, ben, bon, finalement, ce n'était pas si pénible que ça. Donc, voilà, je pense que c'est chouette de pouvoir s'arrêter, reprendre, et que c'est vraiment un domaine où les façons d'apprendre sont très différentes dans les différents organismes de formation. Donc, vous trouverez quelque chose qui ressemble à votre façon d'apprendre et au rythme que vous souhaitez. Je trouve que ça, c'est vraiment chouette. Alors, pour rebondir là-dessus, justement, n'hésitez vraiment pas à aller sur la carte des animations pendant OpenGen. Vous allez trouver plein de formations, plein de lieux où vous pourrez regarder un petit peu, faire un petit atelier, faire un petit test peut-être même, aller rencontrer les formateurs et les anciens apprenants. Vraiment, regardez la carte interactive, je vous mettrai le lien. Et voilà, vous pouvez vraiment préparer vos questions. Et voir quel langage est fait pour vous, quelle formation est faite pour vous. Peut-être Valérie et Virginie, vous pouvez, pour finir, puisqu'on a encore 3 minutes, nous dire justement si vous avez des animations prévues cette semaine. Voilà, revenir un petit peu là-dessus, expliquer aux futurs apprenants comment toquer à votre porte. Alors moi, j'ai été aidée par Clarisse. Que je remercie, qui a donc mis dans le chat à la fois l'atelier codage que nous faisons. Si tu peux le remettre, Clarisse, comme ça, ce sera en même temps que je parle. Donc, nous avons un atelier codage d'initiation au codage. Vous pouvez aller sur notre site pour, si vous voulez voir des CV de gens qui cherchent de l'alternance, la CVTech, elle est en ligne. Et ça, c'est peut-être pas mal pour vous rendre compte de la diversité. Des gens qui nous rejoignent et qu'on place. Et puis, on a une présentation des formations conventionnées et labellisées, donc conventionnées par Pôle emploi et labellisées par la Grande École du numérique pour des formations qui sont totalement gratuites parce que ça fait partie intégrante de ce pourquoi on a été créé, de pouvoir permettre à des gens d'horizons variés de pouvoir s'insérer et dans le développement web de façon voilà, sans que l'argent soit un problème. Et pour ça, on est fortement aidé par les pouvoirs publics, par l'alternance, par tout ça. Un petit mot sur l'alternance.
D'ici fin décembre, les rumeurs disent que l'aide sur l'apprentissage va diminuer et donc on reviendra dans une situation plus normale entre les plus de 30 ans et les moins de 30 ans. Donc, allez-y. Merci beaucoup Virginie. Valérie, Virginie? Du côté de l'école d'Oranco, on a 2 à 3 ateliers par jour. Il y a des ateliers de découverte de métiers, donc voilà, développeur web, mais aussi les métiers du design, de l'infographie. On a un petit atelier court, devenez un as des réseaux sociaux vendredi. Et puis, en alternance avec ces ateliers de découverte de métier, on a des ateliers pour vous présenter l'alternance à l'école d'Oranco. Voilà, qu'est-ce que c'est que l'alternance et comment on vous accompagne. Donc, j'ai mis le petit lien dans le chat. Ça donne accès à un Google Form et vous inscrivez à tous les ateliers que vous voulez. Et vous faites bien attention à vos mails et à vos spams pour recevoir nos invitations. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes surtout aussi. Merci aussi aux 70 participants que vous étiez aujourd'hui, c'est super. Il y aura bien un replay sur le site de la Grande École du Numérique. Voilà, ça a été enregistré. Voilà, et j'espère qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Sinon, n'hésitez pas, enfin, je vais les reprendre, les questions ensuite, et on va en parler avec les intervenants. On fera un petit mail récap aussi. Voilà, donc merci encore. Et demain aura lieu le deuxième webinaire de la série OpenGen sur le métier d'UX designer, UX/UI designer. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à 10 h demain matin. Vous trouverez aussi tout le lien sur notre site. Voilà. Donc, à très bientôt et encore un grand merci à tous. À bientôt. À bientôt, Merci merci à tout le Sarah, monde. Valérie. Bonne journée à tout le monde. À Bonne bientôt. Au revoir. journée. Au revoir.